Nous sommes sur Facebook. Donc, si on veut parler des influenceurs, tu veux aussi que tu es influenceur? Tu influences même qui? Regarde-moi un villageois comme ça. Ta place n'est même pas en ville. Tu dois vivre au village. Il ne sait même pas s'exprimer. Il ne sait même pas s'habiller. Toujours sale. Avec sa tête mal formée. Tu parles même. Tu peux parler sur qui t'écoute. Un villageois comme ça. Nous sommes sur Facebook. IB. IB veut dire sur WhatsApp ou sur Messenger. Oh, le big Franco! Franco le mignon! Le général, mon général! J'aime ce que tu fais, big! Non, les conseils que tu donnes aux jeunes là, franchement, ça me plaît mal. Je suis tes vidéos, ne rate aucune de tes vidéos, big! Non, j'aime ce que tu fais. Bravo, va de l'avant. Beaucoup de courage, big! Big, j'ai un souci. Big, tu sais même que depuis là, il bosse même pour quelqu'un, big, ça ne donne même pas. J'ai au moins 6 mois d'arrêt de salaire. C'est grave, big. Je veux même créer une page monétisée. Une page qui va me donner l'argent chaque fin du mois. Même c'est une chaîne YouTube, big. Big, je veux vraiment que tu m'aides. Aide-moi à créer une page, big. Non, franchement, tu es fort, big. Tu es le seul que moi je suis, hein. Donc, tout ce que tu fais, Big, non, ça me plaît mal. Big, j'ai aussi un autre problème là. J'ai un business que je voulais lancer. Si tu es chaud, je t'appelle pour t'expliquer ça, tu me donnes un peu les conseils. Comme tu sensibilises un peu les jeunes là, Big. Si tu pouvais me guider même 50 colos pour me couper, pour compléter mes dos, parce que ça ne suffit même pas. Nous sommes dans le jonglage, c'est mon Big. Big, ouais, vraiment, j'ai aussi besoin de tes conseils. Big, tu sais que on voit aussi, comme tu as aussi voir, Big. Donc, tu ne vas pas laisser tes petits. Big, elle aide nous ses mains. Tu vois, non, Big? Franchement, n'écoute pas ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Hein. C'est les jaloux. Non, hey. Les vrais, tu sais que les vraies personnes viennent plutôt IB, non, Big? Non, les vraies personnes, tes vrais fans là, c'est comme moi. Je te prends, mais ils ne vont pas raconter ce que les gars là racontent en commentaire que oh, tu ne fais rien sur eux. Non, moi, c'est que tu fais beaucoup. On appelle ça les Atalakou. Vous savez ce que je vous dis, les amis? Dans la life, si, quand tu bosses, tu comprends, non? Bosse seulement dur. Si tu bosses 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, personne ne te critique. Personne ne parle jamais. Personne ne te pointe du doigt. Gars, prends un peu du recul. Tu t'assois. Tu réfléchis bien. Si tu es sur un bon chemin. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si tu travailles dur comme ça, là, personne ne te critique. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si tu travailles aussi 1 mois, 2 mois, donc à peine tu commences un boulot, tout le monde critique ce boulot-là. Ou bien tout le monde te critique par rapport à ce boulot. Prends du recul. Réfléchis bien. C'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un problème. Donc il y a un temps pour travailler et que personne ne te voit. Il y a un temps où tout le monde va voir le travail que tu effectues depuis et certains vont te critiquer. Si on te critique, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas te détester. Mais fais le maximum d'efforts dans ta vie pour que ceux qui t'aiment soient au minimum, au moins à 80%. Parce que si tu fais n'importe comment, il y aura toujours certains qui vont te détester. Oui, c'est comme ça le monde. Vous comprenez, non, les amis? Donc, merci pour les balles. Mais ce que je voulais encore dire à certains, c'est que arrêtez de dire que Franco répond, c'est le game. On n'est pas obligé de tout vous expliquer. Ceux qui m'ont pris eBay, ils les ont expliqué. Le jeu, c'est le game. C'est le game des réseaux sociaux. Et quand tu comprends ce game, tu ne peux plus te plaindre que oh, petit truc, Franco vient répondre. Petit truc, Franco vient répondre. C'est le game. Vous entendez? C'est ça les réseaux sociaux. Merci hein, pour vos insultes en commentaire. Je sais que vous connaissez tout. Comme je vous ai dit, moi je peux te respecter parce que tu me dépasses en âge. Moi, je peux te respecter parce que tu as un niveau intellectuel dans ton rang social. Tu es ministre, tu es gouverneur, tu es président, tu es député. J'ai le droit de te respecter. J'ai l'obligation de te respecter. Mais moi, je ne vais jamais te respecter parce que tu as une villa, parce que tu as une grosse voiture, parce que tu as... Parce que tout ça là, c'est vrai que même les titres honorifiques qu'on dit les députés et ministres, on va tout laisser, c'est parti. Mais... Pour être ministre, on ne se lève pas un matin pour être ministre. C'est vrai aussi que
pour avoir des grosses voitures. Mais il y a d'autres qui se lèvent le matin, ils ont des grosses voitures. Mais on ne se lève pas le matin pour être ministre. On mérite. On ne se lève pas le matin pour être député. On mérite. Si tu me dépasses déjà en âge, même si je fais quoi, je ne vais jamais atteindre ton âge. Même si tu meurs avant moi, je ne vais jamais... L'histoire retiendra que tu étais toujours mon grand frère, tu resteras mon grand frère à vie. J'ai obligation de te respecter. Mais tu peux avoir de grosses voitures. Moi, je n'ai pas. Mais avec le temps, j'ai aussi ces grosses voitures-là par la grâce de Dieu. Donc, les amis, travaillons. Mettons-nous au boulot. Abat les jaloux. Abat les... ceux qui viennent nous embrouiller. Faire croire que oh, c'est monté, c'est descendu. On s'en fout. Honneur à tous. Bonne journée.